Alors là, nous allons passer à la revue des modifications que nous avons opérées sur le bras de Maya. Alors, la première chose, c'est de gagner du poids. Entre la version originale de Maya, qui était donc une version fermée, et la version avec trappe de visite, nous avons 120 grammes d'écart. Trappe de visite comprise. Nous avons cherché à gagner du poids, surtout sur les épaisseurs de la carrosserie, mais nous n'avons pas modifié la densité du bras. Ce qui nous fait quand même gagner 120 grammes sur un poids de démarrage de 540 grammes. La deuxième manipulation, c'était la trappe de visite pour pouvoir câbler le bras de Maya. Oui, parce que sans cette trappe de visite, le câblage était quand même relativement fastidieux. Donc nous avons mis cette trappe de visite et nous avons incorporé à l'intérieur de la trappe de visite des inserts de façon à avoir une certaine résistance dans le temps, plutôt que de tarauder donc le bras. Deuxième chose, nous avons donc aussi aéré la trappe de visite et nous avons derrière la trappe de visite fait un support pour recevoir une LED RGB. De façon à avoir un éclairage à l'intérieur du bras pour donner un look la nuit, par exemple. Vous remarquerez donc, cette fois-ci sur cette version, le bras possède des connecteurs de façon à faciliter le démontage éventuel de la rotation avec la main pour pouvoir opérer des opérations de maintenance. Et enfin, dans la partie coude, qui était équipé à l'origine avec un 805 BB, nous avons mis un 845 pour gagner quand même 25 kg de différence au niveau du couple. En revanche, il y a une petite modification opérée, puisque le 805 BB était en couple maximum à 6 volts, alors que le 845 possède effectivement 50 kg, mais à 7,4 volts. Et enfin, vous allez me dire, ben oui, mais entre le 805 et le 845, il doit y avoir une différence de poids. Effectivement, il y a une différence de poids de 50 grammes, ce qui est plus que négligeable par rapport au servomoteur qui permettent de relever le bras. Voilà. Donc, les grosses modifications, le 845 avec l'avant-bras qui a été modifié, plus la trappe de visite. Une chose aussi importante, c'est que dans la version du 805, vous pouvez aussi bien monter le bras fermé, comme il est prévu à l'origine, ou le bras avec la trappe de visite. Il n'y a rien qui change au niveau des fixations. La seule chose, c'est une augmentation du couple. Malheureusement, cette augmentation du couple se fait donc au détriment du prix, puisque entre le 805 BB et le 845, c'est pratiquement le double de prix. Voilà. Pour les dernières grandes modifications du bras de Maillard. Au revoir.